Je voudrais faire une mention spéciale à Maxime, mon tourneur de page. Nous en sommes déjà à notre dernière pièce et j'ai la chance d'avoir un public particulier. Je parle de vous tous, mais en particulier de ma fille ici de 4 ans et demi, qui est en avant, qui écoute le concert, tout sage. Oh là, ça y est, timide à fond. Là. Elle a tout entendu ces pièces-là des milliers de fois dans le salon chez nous. Bon, on termine donc avec une pièce, notre pièce moderne préférée, qui se nomme Klonos, qui signifie en grec spasme, une sorte d'état que vivent certains mystiques lorsqu'ils rentrent en France. Donc on parle de spasme, c'est ça, des genres de gestes qu'on peut vivre. Il y a certains musiciens de jazz qui vivent le même état, et certains musiciens de gospel aussi qui vivent donc le même état de spasme. Donc, là, parce que... Vous avez jamais entendu le mot spasme? C'est... Qu'est-ce qui se passe? Spasme. Spasme. C'est étrange à Trois-Rivières, il y a quelque chose qui se passe. T'as des cheveux ici. OK. Bon. Oui, donc, Clona, je disais, je dirais plus le terme Oni. Bon. Alors, par la suite, il me fera plaisir de vous rencontrer pour répondre à vos questions. Et puis d'ailleurs, vous posez une question aussi. Puisque l'âge moyen de la salle, je crois voir, est d'à peu près 25 ans, je me demandais, est-ce que ça veut dire qu'avant que vous ayez 25 ans, est-ce que vous assistiez toujours à des concerts, ou est-ce que c'est qu'à partir de l'âge de 25 ans, on commence à sortir des concerts? Je viendrai de répondre à cette question-là, vous posez. Vous ne répondez pas tous en même temps. Non, je comprends. OK. Alors, dernière pièce, et puis ça nous a fait plaisir de jouer pour vous. Thank you.
Oui. Oh, excusez. Il y a place là-bas. Je vais me reculer un petit peu. Il n'y avait pas de... Thank you.
jouer une pièce que vous avez peut-être déjà entendue. C'est une pièce qui s'appelle Miss Irlou. C'est le thème original d'un film qui s'appelle Pulp Fiction, un film de Tarantino. Mais en fait, c'est une pièce qui a été popularisée par ce film-là, parce que c'est une pièce qui existait dans les années 60, c'est ça, Mathieu? 50 ou 60? 60. Une pièce traditionnelle grecque, qui a été reprise par Dick Dale Oui, du surf guitar. Alors lui, dans le fond, il a popularisé cette chanson-là, mais c'est ça, c'est un chant traditionnel grec. Donc, Mathieu fait un arrangement où il y a beaucoup de doubles détachés et il va jouer ça au saxophone soprano qu'il vient de vous présenter. Alors, on vous joue ça dans quelques instants, quelques secondes. Qui s'appelle Brillance, donc il y a deux mouvements. On va vous en jouer deux, en fait, il y en a quatre, mais un mouvement lent et un mouvement rapide par une femme. Vous allez peut-être oublier son nom, elle s'appelle Ida Gotkovsky. Elle est française. C'est une dame qui existe encore. Elle est née en 1933. Une dame très, très sympathique. On peut le voir sur son site internet. Ida Gotkovsky. Thank you.
Thank you.